En ce moment, on était en 16e avec celui-là. Ouais. Oui, ce sera tout à l'heure, FunFan. Je pense que je le ferai plus vers 16h, 16h30. Qu'on fasse pas non plus que du Minecraft toute l'après-midi, parce que je suis pas sûr que ça vous captive à fond. Comment ça, nouvelle partie? Ah! Ouf! Oh là là, l'interface fait peur! Alors, des bureaux de mon oncle, une pièce. Une pièce renversée pour les. Non, réservée renversée. Ça, c'est l'idée de mettre le chaos, faire la guerre, tout faire exploser. Alors, je réinitialise mon cerveau. Clic-clouc! Une pièce réservée pour les alcools, avec un beau comptoir et un passe-plat lié à la cuisine. Le titre va changer au bout de 10 minutes. T'inquiète pas, FunFan, mais merci de ta remarque, tu as raison. Il semble que mon oncle savait vraiment comment mener une vie agréable. Heureusement pour moi, les heures innombrables que j'ai passées pour jouer des morceaux de piano n'ont pas été mises à contribution, pour confirmer une fois de plus mes doutes sur mes capacités dans ce domaine. Par contre, mes modestes talents au tir se sont avérés utiles avec l'énigme des fléchettes. Comme il y avait des jeux intéressants, j'ai pensé que cela aurait été amusant de rivaliser avec mon oncle. Toutefois, je me suis demandé si j'aurais un jour l'occasion de le faire. Cependant, la salle suivante contenait principalement des indices, car c'était son bureau secret, séparé du salon par une cloison mobile. Une cloison mobile, j'aurais dû y penser dans un endroit comme celui-ci. En regardant autour de moi, je découvris une pièce petite mais soigneusement décorée qui paraissait n'avoir aucune issue. Il m'a alors semblé que c'était mon dernier défi. Bon, je vis une cage contenant un cube en bois et la statue d'un chien avec une roue dentée dans sa gueule. Ce n'était qu'un premier aperçu. J'ai su que j'arrivais dans la partie vraiment étrange du manoir et je me préparais à tourner des poignées et trouver des codes secrets quand soudain la porte claqua derrière moi. La première chose que je ferai, pardon, quand cette maison m'appartiendra, ce sera de réparer les portes. J'aime bien la narration. Elle est bien bonne. Oh là, ce portrait. Ce portrait de fou. Ah oui, ça joue à la souris intégralement. Mais pourquoi j'ai eu ce réflexe de prendre mon périphérique de jeu, alors que c'est un jeu très posé? Mon oncle peignait un portrait de lui-même, narcissique, au possible. Tout ce qu'il faut pour peindre, la peinture est sèche et c'est là depuis un certain temps. Oh là, j'ai des trucs dans l'inventaire, moi. Un papier avec 5 trous. Oudoudou. Ah, et en bas. Ça va se mettre au bout de 10 minutes, t'inquiète pas, FunFan. Ça va se mettre en bon état. Putain, je me souvenais pas de la boîte étrange. À mon avis, la boîte, il va falloir la poser. Attendez, pardon. Je suis en train de gesticuler parce que finalement, mes chaussettes finissent par me déranger. Et je finis par les retirer. Alors, ah oui, la dite manivelle métallique. Elle dissimule rien. Il faut pas hésiter à faire à 360 degrés avec les objets de l'inventaire parce que parfois on découvre des trucs. Le plaque bois alphabet écrit dessus. Alors là, voyager des indices. Le S en premier, le U en deuxième et le N entre. Ah, sun. Always the sun. Always the sun. Alors là, je peux pas bouger. Là aussi, c'est fixe. Agre-gre-agre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un projecteur? Il manque une pièce sur le côté. Eh ben, c'est pas la manivelle. Et puis c'est étrangement de la du même bois que le cube là que j'ai. Attends. Comme ça. Voilà. Là, le projecteur, il est complet. Et ça, c'est quoi? C'est un message secret. Après avoir passé tant d'années dans les autres avec les autres membres. Je suis convaincu que cette soi-disant Gordian Society est beaucoup plus qu'elle ne semble en surface et ses racines sont d'une profondeur insondable.
si profonde que je suis encore incapable de trouver ce qu'il y a au fond. Avec un peu de chance, avec le rang de maître, je serai capable d'apporter un peu de lumière sur certaines questions. Comment une organisation pacifique d'amoureux de défis à travers le monde a pu faire disparaître un homme d'affaires puissant et transférer sa fortune en quelques jours? Ce sera peut-être un grand choc pour vous, mais je refuse de croire que l'accident de vos parents n'a rien à voir avec la Gordian Society. Ils dissimulent soigneusement leurs traces et je n'ai pu qu'entrevoir des indices ici et là pendant toutes ces années. C'est à vous de décider de tenir compte de mes conseils ou de croire ce que votre mentor vous dit. Je veux juste que vous sachiez que j'ai seulement votre intérêt en tête. Sinon, pourquoi vous aurais-je contacté et offert toute ma fortune? Ceci est un aperçu de la situation réelle derrière le décor. J'espère que nous pourrons discuter un peu plus sur cette question plus tard. Jusque-là, je vous souhaite bonne chance. Souvenez-vous de ne faire confiance à personne. Cependant, n'ayez pas l'air méfiant envers votre mentor et les autres membres. C'est mieux qu'il croie que vous en saviez beaucoup moins que réellement. Subterfuge. Alors, l'étrange projecteur complet. Je suis en droit de m'en servir ou pas? Ça, c'est intriguant. Pardon. Une jolie nappe brodée. Ou super nappe. Ah oui, j'avais fait ça, il y avait un truc là. Je crois que j'avais... Oui, j'avais déjà touché un interrupteur. Là, il y a un code, on le voit. Mais à quoi correspond l'espèce de 4-3, là? C'est bizarre. Alors, le curseur devient bleu clair quand j'ai une interaction possible. Sinon, il est jaune. Alors, ceci me semble très confortable. Je m'imagine très facilement faire la sieste. Mon seul et unique oncle, vraiment une personne énigmatique. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas en lien avec les feuilles de papier déchirées, quand même. Ah, ça, peut-être? Non. Ah, ça indique des positions. Comme un, vous savez, une devanture de four, là. Avec les molettes. Enfin, je crois. Ce serait quel dispositif? Oula, là, il y a un miroir. Je suis surpris qu'il n'y en ait qu'un seul avec tous ces portraits tout autour. Il n'y a rien d'autre à ramasser là-dedans? Non, visiblement, j'ai fait le tour du truc. Ça, c'est pas... Non, c'est rien. Il y a la partie du fond de la pièce aussi. Ça, c'est... Ça a été ouvert ou pas? Et j'avais quoi? J'avais des... À un moment, il disait Sun avec le... Mais c'est un truc que j'ai déjà ouvert. Là, je fais face... à quelque chose qui est un truc à 9 chiffres. Oui, c'est bizarre, la lettre, je peux pas la... Non? Non. Là, on dirait un papier. Non plus? Non plus. Bon. Ça suggère des trucs, mais ça l'assume pas. Et au plafond? Il y a rien au plafond? Je sais plus si une des pièces, à un moment donné, on avait eu un... Un indice qui était au plafond. Alors, on en avait eu un au sol, souvenez-vous, c'était dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est que ce délire avec les fers à cheval? Oh là là. Ça, c'est bizarre comme cage. Ça, je l'avais déjà manipulé, je crois, non? Ah, ça a pas l'air de tenir. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Hey, mais il y a un truc sous le... Attends. Pourquoi il y a comme le loup greux? Guerre, guerre, le mot guerre. Non, mais c'est en anglais, donc j'aurais un truc normalement. Greux, greux, greux. Mais pourquoi greux? Oh la vache, tu peux faire tout l'alphabet. Greusen. Ah bon, il y a un... Ah, Grizzly, non? Mais non, que je suis bête. Ça peut pas... Enfin, on peut s'amuser à faire Grizzly, mais... Ce sera pas ça. Parce qu'à un moment, j'ai un E qui se promène. Non, Grizzly, c'est avec un Y que je suis bête. Pourquoi je mets un E, moi? Oui, justement, parce qu'il y a un E dans l'histoire. Non, Grizzly, c'est même pas la bonne orthographe, mais bon, tant pis. Je suis plus à ça près. Ça, c'est bizarre. Je ne peux pas prendre ce qu'il y a dans la bouche du chien. D'accord. Il y a le meuble aussi qui a des trucs à cacher. Donc là, j'avais tout récupéré, je crois. Enfin, je crois. Oui? Non? Pourquoi? Oula, c'est étrange. C'est vraiment énigmatique de bout en bout. Là, j'ai tout pris. Là, c'est pas un bâton? C'est quoi? Non, bon. J'ai pas le droit de. Bon, bah, j'ai foutu le boxon. On peut laisser comme ça pour dire que j'ai. Ah non, c'est ouvert-fermé, d'accord. J'ai pas le droit de trucs intermédiaires. Ça, pourquoi c'est pas. C'est verrouillé, ça? Ah non. Non, mais il n'y a rien pour autant. Ah, la boîte. Il faut que je dispose ma... Ou alors le projecteur. Ah, le projecteur. Est-ce qu'il faut pas que je mette la boîte par-dessus, là, étrange? Non? Ou comme ça? Attendez. Je dois aller au plus près. Bah oui, mais... Je remonte le truc, voilà. Alors là, je vais voir quelque chose. C'est bien, on progresse. Alors. Pourquoi je peux pas zoomer? Faut que je regarde en direction de la statue là pour avoir le truc. Non, je vois rien. Oh, mais vous êtes nuls, les gars, on voit pas. Là, je suis plaqué contre le truc là. Comment je fais pour voir ce qui est projeté? C'est débile, là, on voit rien. Alors, si vous arrivez à voir, on dirait des positions d'un truc, mais... Bon, je sens que le projecteur va tourner longtemps. Parce que là, je pige pas le... Ça, c'est en 5. C'est pareil, c'est des lettres. C'est des lettres. J'avais du sun, j'avais ça, j'avais un R. Ah oui, c'était même pas un E, c'était un R. Attends, greu, grère. J'avais ça aussi qui était énigmatique, mais c'est en lien avec les morceaux de papier déchiré, non? La boîte, j'ai pas de... Ouais, il manque quelque chose ici, tu m'étonnes, mais... Attends. J'ai ça. On dirait qu'il y a... C'est bizarre que ce soit ondulé au-dessus. Ouais, non, je peux rien y faire de plus. Mais ouais, il manque un truc là. Pom, 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 pom.
Et ça, je peux pas l'ouvrir, apparemment, le petit meuble. Là, il y a le levier. Alors, le levier de l'énigme absolue, parce que le truc réagit pas. Tant de livres, ouais, bien sûr. Ah oui, il y a le truc au mur aussi qui était fou. Là, visiblement, il me manque une clé. Et au niveau du salon, je crois qu'on avait tout fait. Il y a la caisse là, j'ai dû tout ramasser. Normalement, dedans, il va pas se pencher, visiblement, il s'en moque. C'est pas un truc à ramasser, ça? Bon. En quoi ça peut correspondre, ça? Là, je pige pas. À quoi ça peut correspondre? La malle avec les fers à cheval. Ah non, d'accord. Ça correspond au même élément. Bon, la porte fermée, je l'ai donc baba. Je ne repartirai pas sans les documents officiels pour l'héritage. L'appât du gain. Il est complètement motivé. Tu me diras après tout ce qu'il a traversé. Alors ça, ce truc, c'est un... C'est un casse-tête. Le pire, c'est que je sais même pas quelle combinaison chercher. J'ai un vague souvenir que j'avais noté sur le papier, essayer de faire telle ou telle combinaison, je sais plus comment. Et je les avais toutes faites et c'était pas ça. Donc j'étais complètement deg. J'étais complètement dégoûté. Il y a vraiment des indices bizarres. À quoi ça correspond? J'ai un greu, j'ai un R. C'est quand même pas en anglais la couleur verte, green, non? Et j'aurais des fragments de différents mots. Là, par exemple, le R aurait aucun lien avec le... On va essayer, hein, tant qu'à faire. Je pense pas que ce soit ça, mais... Ce serait vraiment au bonheur la chance avec une déduction hasardeuse, mais... Mais je pars pessimiste. Green, la couleur verte. Non, c'est pas ça. Ça bouge pas d'un pouce. On aurait pu croire parce que vu la teinte de couleur au mur, ça aurait pu être un indice en soi, mais bon là c'est vraiment chercher le tout et n'importe quoi partout. C'est comme ça qu'on devient fou. Merdoum. Pourquoi ce mécanisme reste-t-il inerte? Le truc, non, c'est parce qu'il est posé sur des bouquins. C'est insignifiant, la boîte posée sur des bouquins. Ah, je suis plus invité à réinteragir avec le projecteur. Ça veut dire que j'en ai fini avec le projecteur. Alors l'indice qu'il donne, ne me dis pas que c'est ça qui déverrouille la gueule du loup. Non, ça n'a rien changé. Ça aurait été beaucoup trop facile. Qu'est-ce que c'est que cet indice? Encore, j'aurais un truc à trois éléments en résolution d'énigmes. Je m'acharnerais dessus à essayer d'en faire une interprétation, mais c'est pas le cas. J'ai la boîte à 5 caractères, j'ai le truc à 6 caractères là qui est en face, qui est au mur. Mais je vois pas. C'est quoi? C'est le loup qui est représenté? À part dire Fox en anglais, je vois pas. Ça se dit pas Coyote en anglais. Ne me dis pas que c'est la devinette. Écris-moi bien le nom de ce Pokémon quand même. Celle où on voit que c'est comme dans...
Dans Resident Evil, dans Resident Evil, dans Far Cry 2, c'est le chacal. Mais pareil, chacal, je pense pas que ce soit passé dans la langue de Shakespeare, ça n'a pas de sens. Je dis ça, qui tente rien n'a rien, mais non, c'est pas Coyote. Il m'a parlé d'un chien quand je... Ouais, je ne peux pas le prendre de la bouche du chien. Donc, dans la logique du jeu, il s'agirait d'un chien. Donc, hot dog, c'est moche. Ce serait l'espèce précise du chien? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Chacal! Wow, on va essayer chacal. Ouais, je pensais comme Far Cry 2, mais... On va essayer, mais... Bizarre. C'est rien passé. Bien tenté, mais c'est pas le chacal. Ah, je vais m'exciter sur la manette. La manivelle. Non, 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 c'est bizarre. Essayons de faire des déductions logiques. Un papier avec 5 trous. Plaque de bois, l'alphabet écrit dessus. D'accord. Même dans cette pièce, pardon, je suis en train de manipuler ma flanelle. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai manipulé. On est d'accord, je peux pas déplacer le. D'accord, le bout de papier, je peux pas les bouger, ils sont fixes. Ça, c'est la lettre secrète, donc on s'en fout un peu, ça fait partie du scénario, mais. Attends, c'est pas ça qui va nous aider dans la résolution de l'énigme. Là, j'ai eu un son quelque part, ça m'a. C'est peut-être un truc que j'ai fait précédemment et je m'en souviens pas. Une boîte en bois étrange. Non, il n'y a pas d'encoche. Il n'y a pas d'encoche. On dirait que la boîte s'ouvre. Moi, la boîte, j'étais tenté de la mettre là par rapport au. Je peux pas la superposer, ça n'a pas de sens. Quoique, à la limite, je pourrais peut-être la mettre là, mais. J'avais pensé au projecteur spécial, mais visiblement, on peut plus le manipuler. Donc c'est pas ça. À quel endroit je serais supposé faire une déduction et ou une interaction pertinente dans le sens que j'ai la réponse à portée de main et non pas y aller au bonheur la chance en déglinguant le truc. Oh, je me détends à mort, j'arrête pas de bâiller là. Limite si je serais en mode pépère, je me ferai une sieste. Je vous rassure, il n'en sera rien. J'ai plaisir de me relaxer et de me détendre en votre compagnie, mais qu'est-ce que c'est que cet indice au niveau du projecteur? Oh, j'ai du mal avec la souris entre le clic droit et le clic gauche. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même pas un indice pour le truc numérique au mur, là, avec les boutons mauve, jaune et rouge, avec les fleurs. Ça voudrait dire quoi? Si je considère le mouvement comme une horloge, j'aurais 10, 11 et 12 heures? 10, 11, 12? Non. Ce serait ça le truc? Bah non, puisque ça va de 0 à 9. C'est du délire. Est-ce qu'il y a une importance au niveau des couleurs? Parce que là, j'ai du mauve. À un moment, on a ouvert le meuble. Si vous regardez bien, il y a une œuvre d'art qui a été peinte. On voit deux fleurs mauves.
Donc, ça voudrait dire qu'il faut que je case le mauve sur le 2. Mais où est la réponse du jaune et du rouge? Est-ce que c'est les bouquins dans l'armoire? Il faut compter des points. 3 et 4, ça fait 7. Donc, au niveau des points jaunes, ce serait 7. On devine que la combinaison, si je peux l'atteindre, merci, recristella. C'est pas le meuble que je veux, je veux le truc. Voilà, le panneau. Donc ça ferait 2 au niveau des fleurs et ça ferait 7 au niveau des points jaunes. 2, 7, mais... Alors, le rouge, où est l'indice rouge? Ah, ce serait la projection. La projection serait considérée comme 3 points rouges et il faudrait juste le voir comme ça. Donc il faut que je m'amuse à faire un 3 au... On essaye, hein. 273, 273. Sauf que le truc bouge. Alors déjà, je vais me le noter. On se le note dans le chat. Il est chiant quand je... Ouais, il se décale de 2 à chaque fois. Ah, presque. Faut que j'arrive à faire 273 sans le déglinguer. Oh. Ah bah attends. 273. Voilà, comme ça. J'ai gagné. Là, tout explose. Ah! Merci Christella. Comme quoi l'intérêt de revenir plus tard, vous savez, avec les méninges fraîches et tout à plat, on rebat les cartes et on retrouve les combinaisons gagnantes. Ah tiens, j'ai oublié de me remettre la lumière dans la tronche. C'est bizarre que vous ne m'ayez pas dit, que vous ne m'ayez pas vu en... Comment on appelle ça? En éclipse. Avec la moitié du visage éclairé. Alors, ah, va-t-on finir aujourd'hui ce jeu de fou? Qu'est-ce que... Il y a un truc avec des poids. Quelque chose manque. Oui, tu m'étonnes. Le cube bizarre, peut-être? Non. J'ai besoin d'autre chose. Quelque chose manque. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La feuille à trous. Oh mon Dieu. On est perdu. On ne sait plus. Il manque quelque chose. Est-ce que j'ai d'autres trucs qui ont bougé dans la pièce? Est-ce que ça a libéré la gueule du chien? Je crois pas, hein. Non. Non, non, non.
Verdum. Alors, je me sens plus en kikiné qu'avant, du coup, parce que... Quelque chose manque, oui, mais quoi? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas le carré à... En même temps, j'avoue que je sais pas où le disposer. Attends, qu'est-ce que c'est que... C'est pas des morceaux de papier qui vont m'aider. On dirait qu'il manque un petit engrenage. Ouais, la question est où est l'engrenage? C'est à croire que c'est ce qui est dans la gueule du loup. Enfin, du chien. Mais comment libérer la mâchoire? Je ne peux pas les prendre de la bouche du chien. Ce serait sûrement ça, mais... Comment libérer l'emprise du chien sur... Ce serait ça, mais... Ce serait quoi l'énigme? L'énigme! Nous avons l'indice greux et la lettre R. C'est peut-être le nom d'une espèce de chien, mais en anglais. Avec greux et R. Le nom d'une espèce de chien. Il ressemble à quoi? Ça fait chien loup, c'est pas un husky, c'est quoi? Si ça devait être greux, ça devrait... Le nom d'une espèce de chien en anglais, je vois pas. Ton horloge n'est pas à l'heure. Ah bon? Il n'est pas 14h? Qu'est-ce qu'elle indique, mon horloge? Tu m'intrigues, FunFan. Qu'est-ce qu'elle intrigue, mon horloge? Ah, elle est peut-être pas au premier plan, oui. Midi 35, oui, c'est à cause d'un jeu de fenêtre. Merci, FunFan. Ouais, elle n'était pas au premier plan. Effectivement, là, j'ai dû la décongestionner. Ouais, ouais, merci, tu as bien fait de le dire. Il faudra que je programme d'ailleurs, tu vois, c'est un truc, un bug à corriger dans mon logiciel. Il faut que je conçoive qu'il garde quand même l'idée de... Ah bah non, je peux pas. C'est propre à Windows, le fait de capturer avec OBS le... Non, je peux pas, c'est pas de mon ressort. Enfin bref, ça fait trop de problèmes à la fois. On revient dans le jeu, s'il vous plaît. Mais merci pour la remarque. Une espèce de chien GRE. C'est marrant, j'ai envie de faire ogre, mais c'est pas en 6 lettres. Parce que sinon, je vois pas. Ce serait un truc qui se finit en greux. C'est quand même bizarre. Et il y aurait un autre R, c'est ça? Attends. Je peux pas manipuler le... J'ai l'impression que j'ai collé les morceaux, là. Donc, il y a un greux R quelque chose. Il doit me manquer deux autres lettres, je pense. Et là, à un moment, il y a un R quelque chose, peut-être. Je sais pas quoi. Je dois pas être loin de la vérité. Et ce morceau de papier avec 5 trous, qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que c'est le mouvement d'une calligraphie? C'est bizarre. C'est bizarre. Oh. Ça m'a pas déverrouillé ça, on est d'accord. Il me faut une clé, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a un objet. Mais je peux pas le... C'est bizarre.
Oh, cette maison est si mystérieuse. Mais que signifie? Où sont les indices? Yeshui Peldo. J'aime beaucoup le napperon, les fleurs exotiques là dessinées. Ça a de la gueule. Ça me plairait bien en vrai comme napperon. Non, ça c'est une patte du mobilier. Oh, merdoum. Donc j'ai vu juste au niveau des indices pour le panneau mural. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai un jeu de 4 molettes? Si vous sentiez aux horloges, ça voudrait dire que c'est 11h, 8h, 3h et 5h. Sauf que j'ai des lettres, moi, dans les cadenas, j'ai pas... Enfin, les trucs... C'est pas des chiffres. Je peux pas trouver un nombre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là 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 là. Attends, j'ai eu un doute avec le tapis. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais un truc au sol que j'avais pas repéré. On est bien d'accord que j'ai bien fait tous les tiroirs. Je préfère vérifier à deux fois parce que ça me fait flipper. Là, on n'a rien. Donc ça c'est fait. Le tiroir du milieu, il n'y a plus rien. Là, il y avait ma réponse à l'indice en partie, les deux fleurs mauves. Ça faisait partie de la combinaison murale. Là, il y a des bouquins, le bâton, je peux pas le prendre, je sais pas ce que c'est. Et là, hop, tiroir vide. Donc le meuble, c'est foutu, il n'y a plus rien dedans. Là, il me manque une pièce pour déclencher le truc. Pièce qui est sûrement dans la boîte là, d'ailleurs. Gring, 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 gre... Qu'est-ce que ça pourrait être en anglais? Oh, y a pas un mot-clé thématique? Greux, c'est pas green. Il y a un R, mais le R, j'ai pas. Il me propose pas de mettre le morceau de papier déchiré. Donc il me manque au moins une lettre si c'est pas deux. Great, non, c'est pas ça. Avec un R? Tigre, je sais pas pourquoi. Non mais non, c'est tiger en anglais. On est en anglais là, ça je peux pas être tigre, je suis un idiot moi. Gre 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 green, gre 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 agre gre. Agre gre 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 gre. Oh là 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 là, ne me dis pas qu'il faille deviner comme ça le mot. C'est pas possible, il y a un morceau de papier qui a échappé à mon attention. Ça, c'était je sais plus quoi comme énigme, j'ai eu la soluce. C'était, voilà, c'était là. J'ai un truc qui s'est libéré, je crois. Mais non, là, je peux plus rien faire. De toute façon, ça n'a pas de sens. C'était peut-être le plateau, tiens, d'ailleurs, je sais plus. Ça, je peux pas interagir avec le petit meuble au-dessus du radiateur. Pourquoi, je sais pas. La gueule du chien. Comment je fais pour m'en sortir avec la gueule du chien? Et mon curseur qui devient pas bleu. Donc ça veut dire pas d'interaction possible. J'essaye de bien balayer l'armoire. Il n'y a pas de livre secret. Il n'y a pas de bouton planqué là non plus. Qu'est-ce que c'est que ce beans? L'armoire à l'angle, là où il y a le coffre, ouais. Ah oui, puis il y a ça aussi, il y en a un quatrième, c'est vrai. Et là, c'est des chiffres. Alors, est-ce que les chiffres correspondraient finalement à ce que j'ai vu au niveau de la peinture, là? Si je peux y retourner, merci. C'est vrai qu'il y a le truc là, également. Je l'avais déjà oublié.
Mais c'est bizarre, le premier, ça voudrait dire qu'on est à 11h si c'était une horloge. Si on suppose que ça donne effectivement des positions comme un horloge, comme une horloge, mais ça peut être qu'un chiffre et pas un nombre. Là où je vois dans le premier à gauche, je lis 11h, il faut peut-être lire une horloge qui n'a que 10h sur 12. Ouais, 11. Mais ça ferait quoi? Ça ferait quoi? Ça ferait... Est-ce qu'on considère le 0? Non, mais je... C'est débile, mon truc. Ça ferait quoi? Ça ferait 9. Si je vais de 0 à 9, ça ferait 9, 9, 7, 3, 5. 9, 7, 3, 5. Ça va chercher loin, j'y crois pas. 9, 7, 3, 5. 9, 7, 3, 5. C'est pas ça. Je vais vraiment chercher midi à 14h. J'aurais été surpris que ce soit ça, parce que quand même c'est un peu tordu comme raisonnement. Ça va être quelque chose de plus simple. Mais quoi? Un nombre composé de 4 chiffres. Un nombre composé de 4 chiffres. Un nombre composé de 4 chiffres. Où est-ce que j'ai vu ça? À part ça, vraiment, je vois pas. On est bien d'accord que ça a aucun rapport avec les morceaux de papier. Ça a pas la même silhouette, le même dessin que le truc déchiré. Et cette histoire de papier à 5 trous. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est quand même pas un... Et attends, ça a pas la forme du truc... Mais si! Ah, je me disais, c'est bizarre, ça avait les contours du truc. Attendez, attendez, Vénus. 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 Je suis intrigué. Vénus. Bon. La 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 la, je vais réussir à jouer de la molette. La lilou lilou la, fais coulisser tout ça. Attends, j'aurais plus vite accès au N en passant par sens contraire, non? Je n'en connais plus mon alphabet, non? J'étais idiot. Sur... Bon, bref. De toute façon, au final, ça dit parvenir, Vénus. Vénus, ah, je fais durer le plaisir. Allez, pan. Vénus. Quoi? 1610. 1610. Alors j'ai une nouvelle clé, c'est sûrement pour le truc au mur. 1610. Ah, je me décongestionne joyeusement. Et pan. Ah. Ah. Soupir, soupir. La jolie clé en laiton. Ton 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 ton, chez la clé en laiton. Alors, un poids petit mais lourd. Ah, nous allons faire l'énigme qui est au mur. Petit poids en laiton. Ah, il va là celui-là. D'accord.
Ah, je vais obtenir un nouveau poids. Il est où le truc à ouvrir? Il est là-bas. Avec le la jolie porcelaine. Ouais, j'arrive pas à ouvrir la clé. Tourne la clé, tourne. Clac, j'ai entendu le haut. Pardon. Ah, c'est le truc de peinture à la noix. Je veux partir avec le napperon. Donnez-moi le napperon dessus. Ah, j'avais dit. Alors, 11h, 11h8, 35. 11h8, 35. 11h. Comment je manipule ce truc? Ah, comme ça. Alors, oh, c'est d'un chiant. Oh là, c'est lourdingue. Ah d'accord, comme ça. 11, 8, 3, 5. 8, 3, 5. Presque. Merci. La porcelaine. Ah, c'est ça. Oh, elle était creuse. Il y avait un truc dedans. Alors, morceau de papier déchiré. Attendez. Grégor. Ah, oh. Oh, c'était le prénom du chien. Au lieu de chercher le nom d'une race de chien, il fallait chercher le prénom du... Oh là là. Du fidèle canidé. Ah, ça aurait été cannelle ou noisette, on aurait été surpris. Hein. Chez Grégor. Oh mon dieu. On progresse, les amis, on progresse. Ouais. Suspense. Grégor. Alors. Ah, le chien en est bouche bée. Alors, Spring. Sauf que il me manque un poids. Cette boîte. Pourquoi je me suis toujours pas servi de la boîte? C'est quand même pas ça quand même. Ouais. Pourquoi je me suis toujours pas servi de la boîte? Hein? Tu commences à refaire mumuse avec Wastebot. Je me disais qu'est-ce qui se passe. Non, je peux pas mettre la boîte dans la boîte, mais... Mais du coup, ça, ça me sert plus à rien. Ça me sert plus à rien. Tant que le mécanisme est pas complet, je peux pas le manipuler, c'est pas possible. Ce qui me manque est sûrement dans la boîte là. Mais il faut que je trouve un petit bijou là qui s'incorpore. Mais où est-ce qu'il serait ce joujou? C'est quand même pas la boîte en elle-même, si. Mais comment? Oh, quel est le subterfuge? Je fais comment pour ouvrir ça, moi? Ouin. Ouin, 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 ouin. Non, ça va pas là, ça n'a pas de sens. Comment je fais pour la boîte? Il y a forcément un truc. La boîte, la boîte, la boîte. Non, là, il n'y a plus rien. Pff, ouais, c'est pas logique, je peux pas mettre la boîte là-dedans.
La boui-boui, tu, les boui-boui, tu, je vois pas, je piche pas. Je vais rester planté là. Qu'est-ce qui m'a échappé à mon attention? J'ai vraiment le sentiment que la boîte pourrait se cumuler sur le projecteur. C'est la même essence de bois, c'est la même texture. Ça, en soi, je peux pas le manipuler. On devine, pardon, on devine que ça somme. Ça s'ouvre le machin, mais j'ai pas le geste, je peux pas. Ça doit se greffer à un autre dispositif. Mais lequel? C'est ça qui est fou. Je dois aller plus près. Bah, je veux bien, oui, mais... Là, je peux rien faire coulisser. Ah, manque quelque chose. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas d'indice sur le truc si je le fais pivoter en cliquant sur le socle. Je peux pas arracher ceux qui sont déjà en place. Ça me servirait à rien de les obtenir. Non, faut que je complète l'œuvre d'art. Là. Le truc, c'est un bouton, mais... Et ça, le coup de la Vénus, le papier. Sun, j'ai dû le faire précédemment. Oh, where the sun? Oh, where the sun? Oh, where the sun? Da 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 da. Always, always, always the sun. Oh, il y a un truc en bas. C'est quoi ça, sous le meuble? J'avais déjà manipulé ou pas? Ah! Et la vue qui me guaque. Bizarre. Mon curseur ne change pas de couleur, donc je ne peux pas interagir. Ah, l'emblème, on dirait l'emblème de la série Charmed. Charmed. Je conçois. Attendez, j'ai une boîte en ma possession. Bon, Grégor, je peux perdre l'indice, on s'en fout, puisque j'ai... Voilà, j'ai déverrouillé le truc. Je me retrouve une boîte entre les mains, il me manque un poids là. Non, mais ça, j'ai déjà fait. Il me manque une pièce, j'ai une boîte. J'ai l'impression que la boîte, je peux la manipuler par moi-même, mais j'ai pas trouvé moyen de la... Ça me rend fou. Il y a un bouton, il y a un interstice qui m'aurait échappé, il y a quoi? Là, on dirait presque qu'il y a des encoches de pattes, que ça a été posé, ou alors non, c'est la texture du bois qui veut ça, qui me... C'est presque un trompe-l'œil, le machin. On voit que la boîte s'ouvre, mais comment? Je peux pas l'ouvrir par moi-même? J'ai le sentiment d'être si proche du but. C'est vraiment bizarre. Où est-ce que j'aurais un dispositif? C'est quand même pas ça, mais non, ça correspond pas. De toute façon, je peux plus m'y repencher. Le truc a été consommé. Ah, ce délire. Là à côté, je peux rien faire non plus. Mais il y avait rien d'autre sur le vase, on est d'accord. Non, c'était la belle déco, mais. Ouais, non, je reclique à chaque fois sur les mêmes trucs. Bon, ça a été fait. C'était astucieux comme...
La boîte. Non, c'est là où j'ai la solution entre les mains, mais j'ai pas réussi à manipuler le schmilblick et je l'ai dans le baba. Aïe, 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 aïe. Puis j'avais pas deux indices en un avec la projection mystérieuse, là. Le chien, je peux plus rien faire avec. Grégor, là. Bon, j'avais l'indice 3 fleurs rouges. Ah, mais j'ai essayé de voir. J'avais l'impression de voir comme un canard qui était. Ou une danseuse ballerine qui était dessinée dans les cercles rouges. Mais non, c'est juste les roses qui sont inclinées un peu. Et je voyais des trucs là où il fallait pas en voir en fait. Mon imagination allait au-delà de ce qu'il fallait lire. Non, c'est tout bêtement des roses. Trois roses projetées au mur. Bon. C'était donc bien l'indice qui était composé. Donc, non, c'est bon. Là, le truc est consommé, il est fumé. Je peux rien faire d'autre. Ça me bouffe, ce meuble qui est au-dessus du radiateur et qui sert à rien. Mais j'ai souvenir que c'est pas le premier meuble qui sert à Kupwick. Et qui est totalement énigmatique. Enfin, énigmatique. Normal. Bah tu m'étonnes qu'il manque quelque chose. Tu m'étonnes. Fichu boîte. Fichu boîte qui est en train de me rendre fou. Je double-clique. Non, j'essaie de manipuler le truc, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Il n'y a pas un bouton caché, j'ai pas... Il faudrait que j'interagisse avec un autre objet ? Non. Nope. C'est débile. Ah non, c'est débile. La boîte avec la boîte ? Bah non. Elle peut pas se... d'elle-même, c'est pas possible. C'est pas possible. Merde. Ça me bouffe. Je suggère que le dernier poids soit dans la boîte en ma possession, dans cette boîte posée sur le meuble. Mais il faudrait que j'ouvre grand les yeux pour essayer de trouver le petit truc triangulaire qui me manque. Enfin, il n'est pas si petit que ça, hein, mais... où est-ce qu'il serait? Non, je peux plus manipuler le truc, c'est pas ça. J'ai bien fouillé les tiroirs, on est d'accord. Merde, la clé, je suis en train de la... Ça, c'était la réponse à la question. Où est-ce que j'aurais le truc qui me manque? À tous les coups, le truc qui te manque est dans la boîte. Ouais. Mais ce qui me rend fou, c'est comment je l'ouvre. Parce que dans le dessin, je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'il y a... Il y a comme un panneau qui s'ouvre en deux. Attendez. Voilà, ça c'est le fond. Ça c'est le truc où on pose la boîte sur... C'est le cul de la boîte, là. Si je vais à l'opposé, la face opposée, on voit qu'il y a un panneau qui coulisse. Le truc s'ouvre en deux. Mais mon curseur reste jaune. Il n'est pas bleu. Bleu turquoise égale interaction. Là, à aucun moment, il devient bleu. Donc, j'essaie de cliquer dessus. Je vois pas. De le faire coulisser, ça marche pas. J'ai essayé d'interaction avec d'autres objets en ma possession... Ça réagit pas. Donc il faudrait que je pose la boîte quelque part, mais ça marche pas là. Tu dois pouvoir le poser quelque part, mais... À part ça, Christella, je vois pas. Ça marche pas. Le projecteur non plus. Là, je peux même plus m'approcher du projecteur, donc j'ai fini avec.
Nachevman, tu dis quoi? Et tu as vu le bouton dans un des coins? Le bouton dans un des coins? La boîte? T'as vu un bouton? Dans un des coins? Où est-ce que t'as vu un bouton? T'aurais eu le coup d'œil que j'ai pas eu? Précise ta pensée, s'il te plaît, Nachevman. Le bouton dans un des coins? Quel coin? Le coin de quel objet? Alors là, Nachevman, t'as vu quelque chose qui nous a échappé. Je vois un truc depuis tout à l'heure, pile dans un coin. De la pièce? Un bouton? Ça, c'est un interrupteur de la lumière, hein, si tu parles de ça. Dans un coin? Ah, c'est bien le cube en bois qui t'intrigue. Je vais trop vite. D'accord. Un bouton. Ah, l'angle là. Ah, il y a eu un clic. Ouais, t'as l'œil. Bravo, Nachevman. T'as, t'as le coup d'œil. Et je l'avais pas perçu. Oh la vache. Bravo, Nachevman. Ah, t'as un coup d'œil que j'ai pas du tout. J'avais pas vu que l'angle était bouffé. Ça fait 30 minutes que je le vois, je pensais que tu l'avais vu. Bah tu vois, faut pas se fier aux apparences. Merci, Nachevman. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'espère que c'est pas une bombe. C'est la fin. Oui, et après? Oh! La cage s'est relevée. J'ai un cheval de fer. Oh mon dieu. L'énigme! Ah, ton sanglier vient de se barrer dans le jeu de chasse. Désolé. Ah, merde. Ah, c'est un truc de logique. Faut tous les allumer, c'est ça? Ou tous les éteindre? Ah, j'ai joué un peu par le passé à ces jeux de logique. Bon, à force de cliquer comme un fou furieux par observation, on finit par trouver le truc gagnant, mais... Oh là là... Oh le bordel. C'est le bordel. Oh la vache. Attends, si je fais ça, j'obtiens les contraires. Mmh. Parce que si je fais ça, oui, j'obtiens le contraire de... D'accord. Mmh. On me demande s'il faille pas tous les allumer, en fait. Mais... La vache, impressionnant. Non, j'aurais dû faire comme ça en fait. Ouais. Ça comme ça. Ouais.
Vache. Pas sûr que ce soit... Parce que là, j'allume tout. Mais là... Là, j'ai ça. Non, c'est pas une bonne idée. Mmh. Dans ces jeux de logique, là je vais alterner. Si je fais ça constamment, j'obtiens quoi? Si j'observe une ligne. Ouais, autant dire que j'ai tout rallumé, quoi. Parce que si j'essaye de... Tac. Ouais, mais là c'est chiant parce que j'ai des... Oh, j'ai presque tout allumé. Comment on casse les... Je sais plus comment on fait. Ouais, bah là, oui, du coup, j'ai l'inverse de... Le pire, c'est de se dire que c'est de la pure logique. Merde, j'ai zappé le truc. Parce que ouais, si je reclique là. C'est une autre énigme. Il faudrait que je parvienne à regrouper proprement. Ça m'enchante pas trop. Non, ce que je viens de faire est débile. Ça a été contre-productif, mon truc. Je suis en train de me fourvoyer.
Ah! Pas logique. Ça va de mal en pis. Je fais de plus en plus d'âneries là, ça va pas. Oui, ça m'énerve. Je me sens idiot, je me sens complètement nigo. À une époque, j'avais un peu plus cette logique de... Il y a pas mal de jeux ou des variantes de ce principe-là qui existent, mais... Attends, si je clique là... Ouais, mais je me retrouve avec des... Attendez, je vais remettre le fer à cheval sur le coffre. Au moins, ce sera ça de fait. Voilà. M'en manque deux. Ça me réconforte en me disant j'avance. C'est surtout avec les côtés qu'il faut jouer, mais comment? Bonjour Erika, comment ça va? Ah, ça fait un petit bout de temps qu'on t'a pas vu. Bon, j'espère que t'as la pêche et puis que la température monte un peu et que c'est moins frisqué du côté de Québec. On serait curieux de savoir. Ah, je fais n'importe quoi. Ouais, il fait beau et chaud, la neige a vite fondu, ouais. Il va faire 19 aujourd'hui, c'est fou. Ah ouais. Nous, sur Nancy, enfin ma région, il fait un peu moins. On a 15-16 en ce moment, en après-midi. Pardon. Bon, bah, je suis bien. C'est le retour du printemps à Québec aussi, c'est cool. C'est cool. Oh là là, mon cerveau va fondre. Renaillonnet. Re. Ouais, mais là... Oh, c'est chiant, cette histoire. Oh, ça fait un truc débile. Ouais, ça a changé en Tomb Raider. Non, mais Tomb Raider, il faudra que je...
que je me solutionne en antenne et que je vois la soluce parce que. Pardon, je me demande si j'ai pas. Vraiment, je me demande si j'ai pas déglingué le jeu. Tomb Raider, et que je suis bloqué avec Lara Croft dans un quartier dont je ne peux plus sortir parce que j'ai plus la moto, le sidecar. Or, le sidecar est dans un autre quartier. Donc, je sais pas ce que j'ai foutu, mais je me demande vraiment si je me suis pas bloqué dans le jeu. Ah, la logique de ce jeu. Burp, burp. Burp, burp. Alors, pas si pire, souci de santé, ça guérit pas vite, mais ça guérit. Ouais, bah faut laisser le temps au temps, tu récupères tout doucement, Erika. Ouais. Force et courage à toi, Erika. Ah, mon Dieu. Oh, cette logique qui me tue. Ah, là, je les ai éteints. Merde, il m'en reste deux. Qu'est-ce qu'il dit, Nayonel, la cata, pauvre Lara, condamnée à errer comme ça, une âme sans peine dans une petite. Oh, petite ville! Petite ville, attends, on est en Égypte, c'était pas Alexandrie? C'est pas une petite ville, Alexandrie. Tout ça à cause de la moto du sage tombée en panne. Oui, bien sûr! Si proche du but. Ça va pas, mon truc. Oui, un petit bout de ville pour pas dire quartier. Excuse-moi. Eh oui, elle est bloquée à Alexandrie, Lara Croft, dans ses péripéties là. Trois ans plus tard. Je vais essayer de décaler le truc. Je sais pas trop comment, mais je vais essayer de le ramener sur le bord, puisque c'est avec les bords qu'on peut davantage jouer. Si seulement je pouvais éteindre tous les autres. Ouais.
que j'essaye de... Oh merde, il faudrait que je fasse un truc dans le jardin. Send me an angel, la la la. Right now. Right now. Send me an angel, la la la. Ce soir, le tableau mystère vers 20h, vers 20h. Vers 20h. Ah, le H de Hopital. C'est un héliport. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots d'Ondaine. En passant par la Lorraine. Oh, avec mes sabots. En fait, il faut tous les allumer. Je l'ai dans le nez. Mais pour bien les allumer, il ne faut pas se tromper. Et un truc dans le jar là. Oui! Le chapi, chapeau, chapeau. Le premier qui dit chapu. Le chapi, chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. M'en parle pas. On y croit, merci pour les GG. Sauf que j'ai... Le truc a tournoyé et... après. Je retire la manivelle là ou quoi? Merci. Alors attends, j'ai résolu une énigme du pupitre de... Mais j'ai pas compris. Attends. Ça m'a déverrouillé quoi là? Il s'est passé quoi dans la pièce? Il n'y a rien de nouveau dans la pièce. C'est du délire. Le truc peut pas s'ouvrir, il manque de fer à cheval. Rien n'a changé dans la pièce. Attends. Ouais, tant de livres, d'accord. Mais... Le machin a tournoyé, ça me fait une belle affaire, moi. J'ai accès à rien. Le miroir, peut-être, non? Non, mais c'est du délire! Mmh.
Ouais. C'est ça, Nayane. Bref. Mais j'ai pas compris. C'est. Le cadran s'est mis à tournoyer, mais rien n'a changé dans la pièce. Mais. Quelle est cette diablerie? Et alors là. Là, j'ai rien capté. C'est du délire. À quoi ça a servi de faire tournoyer le machin? Y a rien au niveau du radiateur, le meuble là il bouge pas, la cage. Ah! Oh là là, il fallait le voir. C'est plus des yeux de lynx ce qu'il nous faut là, c'est pire. Bon, alors. Succès déverrouillé, étude avec la tête du chien. Alors, une clé. Un briquet. Alors, dans mon nouveau manoir, après avoir mis la main sur le testament et la clé du manoir, j'avais dû admettre que je n'avais jamais autant réfléchi et bricolé de ma vie. Sachant, et c'est là où le mec il change de vie, il devient. C'est comment là, sur France 3, l'enquêteur brocanteur là, c'est comment? Je sais plus. Bon. Bref, je relis. Louis la brocante. Merci, FunFan. Après avoir mis la main sur le testament et la clé du manoir, j'avais dû admettre que je n'avais jamais autant réfléchi et bricolé de ma vie. Sachant qu'il existait une organisation appelée The Gordian Society, consacrée à trouver, créer et entretenir des salles comme celles que j'avais expérimentées, j'ai pensé que d'autres trouveraient également ces défis particulièrement intéressants. Selon les notes laissées avec le testament, une personne de la Gordian Society allait me contacter pour rejoindre ce club intrigant. Je me suis demandé qui serait ce soi-disant mentor et si je pourrais rencontrer mon oncle dans le futur. Mais c'est une histoire pour une autre fois. En attendant, il était temps de réparer le tuyau qui fuyait dans la cave, et les portes, bien sûr. Ah! On a gagné! On a gagné! Et en fait, il y a un deuxième opus qui serait en préparation. Oui, qui est là? Qui l'a tequila? Tequila? Ouh là là, tequila! Para 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 papa! Ouh là là! Para 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 Oui, qui est là? Tabara para! Para para Ils sont deux! Dam 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 dim! Ouh là là! Ouh là là, qui est là? C'est pas mal, Ah, c'est tu pas pour me m'étonnes. déplaire. J'aime bien. Merci d'avoir joué à notre jeu. Nous espérons que vous l'avez apprécié. S'il vous a plu, laissez un avis et parlez-en autour de vous. Comme nous sommes une petite équipe de deux personnes, ça, chaque geste compte. Tu m'étonnes! Un petit tandem qui a programmé ce petit bijou de jeu. C'est bien, bravo à eux. Et effectivement, il y a Dilou34 qui s'est coltiné la traduction française. Bon, bah, c'est bien. Ah, vous voyez, la technologie employée est l'Unreal Engine. L'Unreal Engine. Eh ben, dis donc. Donc ça, c'est le premier opus dans le manoir à hériter, donc on a gagné. Et il y a un deuxième opus qui est en préparation, qui devrait bientôt sortir à je sais pas quelle date, où là, c'est dans l'île alentour qu'il y a des mystères à résoudre, et la fameuse société, là. Ça prend des airs, et j'aime bien un peu de mist. Un peu. Merci pour vos GG. Mais ouais. Voilà. On a gagné. 15h, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se fait une après-midi Minecraft. On va se faire 5 heures de Minecraft comme des fous. Allons-y, soyons déchaînés.